un pas de base de roller dance sans déplacement. On va rester que sur un seul axe. C'est-à-dire qu'on va juste se contenter de transférer des appuis et de déplacer ou la jambe droite ou la jambe gauche vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés. Alors au niveau du matériel, il faut être équipé. Moi, j'ai mes rollers traditionnels parce que je fais de la roller dance, mais ce n'est pas là. Ils sont réalisables avec les patins en ligne, bien sûr. Et avoir un peu de musique. Au niveau du déroulement de la séance, je vais vous faire voir les positions à avoir, puis ensuite les enchaînements. Je vous propose d'attaquer tout de suite la séance. Je vais vous faire voir en musique ce que ça donne et je vais enchaîner les pas les uns après les autres. Ça vous a plu, vous avez réussi à apprendre une chorégraphie tout en étant débutant. Vous voyez, c'est pas des pas compliqués à faire.